Imaginez 30% des Américains dans l'incapacité de chauffer leur maison. Les réserves s'épuisent. Et 90% de ce qui reste est au Moyen-Orient. C'est un combat à mort. Je crois que nous avons quelque chose qui correspond à vos talents spécifiques. Ces capitaux sont placés dans des affaires douteuses. Vous allez l'enlever dans son hôtel, le droguer, l'attacher au capot d'une voiture et faire entrer un camion dedans à 80 à l'heure. C'est bon de vous voir ici, Bob. Vous voulez savoir ce que le monde des affaires pense de vous? On pense qu'il y a 100 ans, vous viviez sous des tentes dans le désert en vous coupant la tête les uns les autres et que vous en serez revenus au même point dans 100 ans. Alors oui, au nom de ma compagnie, j'accepte votre argent. Il est illégal d'offrir des cadeaux, de l'argent ou quoi que ce soit d'autre pour influencer des officiers étrangers. C'est du marché pétrolier qu'on parle ou non? Vous venez de visiter ce qui pourrait être la compagnie la plus rentable des États-Unis. À condition que le gouvernement approuve la décision. À condition que le chaos continue au Moyen-Orient. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est comme si on nous avait mis un distributeur de fric géant devant notre maison. La corruption! La corruption, c'est notre protection! La corruption assure notre confort et notre sécurité! La corruption, c'est ce qui nous permet de gagner! Tu vas me donner des noms. Il arrive. Éliminez la cible. Pourquoi vous enquêtez sur moi? Pourquoi vous enquêtez sur moi? Laisse tomber. 6 kilomètres. Toute votre carrière, on vous a utilisé. 3 kilomètres. Qui l'a commandité? Au revoir, Bob. 1 kilomètre.